Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser le point de ruisseau. Regardez. Alors ce point il est vraiment joli. Voilà. Alors moi j'avais essayé déjà il y a quelques jours et je m'étais trompée. Alors faites bien attention parce qu'il est vraiment simple. Et je pense que c'est parce qu'il est simple qu'on fait des conneries, quoi. Voilà, regardez. Moi, j'ai vraiment adoré ce point. Il est vraiment joli. Sur un pull, il doit vraiment donner très bien. Voilà, regardez. Hop, il s'étend bien. Hein. Et l'autre côté. Donc, je vais vous dire, c'est vrai qu'il est simple, mais vous allez voir, il faut vraiment faire attention parce qu'il est tellement simple que on ne fait pas attention du tout. Voilà. Donc, il se fait exactement sur un multiple de 3 plus 2 mailles sur 4 rangs. Donc, moi, j'ai fait 11 mailles, hein, 3 x 3 plus 2. Donc, on va commencer. Donc, j'avais fait 2 rangs de mousse hein, pour faire le début. Alors, vous faites... Alors, il ne faut pas que je le mette trop haut. Je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Alors, on y va. Vous faites une maille lisière. Alors, je le répète, hein, soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas. Vous faites comme vous avez envie. Vous prenez les deux mailles qui suivent là. 1, 2. Vous allez les tricoter. Alors, on les tricote, mais vous n'allez rien lâcher. Hein. On tricote. Voilà. Vous tricotez, vous lâchez rien du tout. Vous tricotez la première. Et on lâche. Voilà. On fait une maille en droit. On va recommencer. On fait deux mailles. Vous prenez les deux d'après. J'essaye de le faire doucement pour que vous voyez bien. On prend les deux mailles. On tricote. Là, vous ne lâchez pas. Vous reprenez la première, là. On la tricote à l'endroit. Et vous lâchez tout. On fait une maille. Et vous recommencez. Deux mailles. On tricote la maille. On lâche une maille en droit. Et la maille lisière. Je vous dis, c'est tellement simple que c'est pour ça qu'on se trompe. Deuxième rang, vous allez faire à l'envers. Hop là. Le troisième, on va décaler. Hein. Donc vous faites une lisière, une en droit. Et on recommence. Deux ensemble. On tricote la première. Et on lâche. Une en droit. Deux ensemble, on tricote la première, on lâche, une en droit, deux ensemble, on tricote la première et on lâche, et on finit par une maille lisière. Et l'autre, vous allez le faire tout à l'envers. Et quand vous aurez fait un petit morceau, vous allez voir, parce qu'au début on ne le voit pas, vous allez voir, on ne voit pas trop. Hein. Et après, vous faites un petit morceau, et là, on va bien voir le point. Au début, on ne voit rien du tout. Et voilà, et vous répétez ces 4 rangs. Vous voyez ? On voit pas grand chose au début. Voilà. Là, c'est l'envers. Donc, on voit vraiment pas grand chose. Voilà.
Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.